techniquement, on a été très faible. Mais après, quand techniquement vous commencez à manquer les contrôles, il faut aller dans le duel. Et là, dans le duel, on a été laminé. Donc, je ne sais pas si on a. Pourtant, on a eu le temps pour récupérer. Mais soit c'est de la suffisance, soit c'est de la fatigue. Peut-être que c'est de la fatigue mentale. Mais on va essayer de resserrer tout ça. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on méritait un point. On a fait le match qu'on voulait faire. Il m'arrive de le dire, mais là, c'est vraiment le cas. Et tout était bien. Quand une équipe a Saint-Étienne, qui est quand même l'équipe en forme du moment, ils ont tiré 5 fois au but, ils ont cadré une fois, ils ont marqué. Et ils ont gagné le match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais expliquer, je vais couper les cheveux en 4. Non, c'est tout. Le match, il nous tendait les mains. Ce soir, je pense qu'on a mis tous les ingrédients pour remporter cette rencontre. Voilà. On est, je ne vais pas dire sur le fil du rasoir défensivement, mais on n'est pas chanceux non plus, quoi. Voilà. Petit soupçon de réussite en ce moment. On a beau chercher à le provoquer. Voilà, faut appeler un chat, quoi. Je pense qu'on méritait, à minima, au moins un point, quoi. Je veux dire, voilà. Donc je ne vais pas faire pleurer dans les chômeurs. Hein, football, c'est professionnel, hein, on sait ce qui se passe. Voilà, football, après, ça joue avec un ballon et il faut le mettre au fond. Eux, ils ont eu une fois l'occasion de le mettre au fond, ils l'ont mis. Et nous, on a eu plusieurs fois l'occasion de le mettre au fond, on ne l'a pas mis. Voilà, c'est parfois basique comme résumé. Les matchs qu'on doit gagner parce qu'on fait un bon match, on ne les gagne pas. Et donc, c'est ça qui me déçoit pour les garçons. C'est ça qui me déçoit pour les garçons, parce que je trouve qu'on progresse. Alors je peux dire ça après une défaite, mais je trouve qu'on progresse.